Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Salut tout le monde, aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc j'ai reçu le dernier aujourd'hui et je suis vraiment trop contente. Je l'ai même pas encore ouvert de son carton. Donc j'ai eu quelques trucs équitation, quelques trucs non équitation, parce que j'ai demandé un gros truc niveau cheval. Du coup je pensais rien avoir d'autre. Au final si. Donc tant mieux, écoutez. Alors tout d'abord un petit truc que ma maman m'a acheté. Je n'arrive pas à parler ce matin, c'est abusé. Donc c'est un petit porte-clés en coque en gros. Enfin non, c'est une poule d'ailleurs. Bon moi j'ai Yvette la discrète, j'adore. Et en gros en fait c'était pour une bonne action, pour une association en gros qui voulait récolter de l'argent pour des maladies. Et ma maman a dit que ce serait bien, bah, genre, du coup on a eu chacun avec mon frère et ma soeur une petite poule. Et voilà, bon c'est mignon et puis bon, voilà. Si ça peut faire plaisir à des gens, bah tant mieux. Ensuite, j'ai eu l'incontournable de Noël, des chocolats. Donc j'ai eu deux boîtes de célébration, enfin, oh, je vais me foutre un coup de bouteille. J'ai une boîte sapin de célébration, j'ai des cheveux dessus, j'adore, qui est remplie seulement de cochon, enfin de papier en gros, ouais. Parce que j'ai déjà fini, on adore. Et bah là, pareil, mais en bouteille. Celle-là n'a pas fini, c'est parce que j'ai mis tous mes préférés là-dedans et j'ai bouffé tout ce que j'aime pas trop. Voilà. Ensuite ma mamie m'achète ça au moins depuis 3 ans, un truc comme ça. Ce sont des sucres d'orge, j'aime vraiment trop ça. Donc voilà, il y a 3 goûts, ils en ont rajouté un, c'est le bleu et ils l'avaient pas mis avant et j'adore. Et j'ai eu le DVD de Norman. Alors c'était absolument pas prévu que je l'ai, je le précise. Hein. Si j'avais pas eu ça, j'aurais rien eu sous mon sapin le 24. Et mes parents voulaient pas, genre que par rapport à mon frère et soeur qui avait 3 ou 4 trucs, moi j'ai rien du tout. Du coup bah mon papa m'a demandé ce qui me plairait. Il a fait oh le DVD de Norman, tu sais. Ouais, éventuellement, ouais. Et du coup, il a pris le DVD de Norman et du coup, je suis trop contente. Je l'ai regardé, il est vraiment trop bien. Enfin, genre, tu rigoles du début à la fin. Forcément, je l'ai mis à l'envers, j'adore. En gros, t'as le DVD là. Et après, t'as un petit calepin. C'est lui qui a tout dessiné. Ah, c'était sûr. Donc, c'est lui qui a tout dessiné, en gros. Il y a des quiz, tout ça. C'est pas mal, c'est vraiment bien. Et dernière chose, il me semble, non équitation. Alors, ça. En fait, c'est un sac Longchamp. C'est pas le sac, il y a un sac de Longchamp dedans, mais voilà. En gros, ma maman l'a eu en cadeau par son CE, je sais pas si on dit ça comme ça. En gros, par sa boîte. Et elle pouvait choisir un cadeau de Noël, elle a choisi un Longchamp. Et en gros, on va se le prêter avec ma soeur et elle. Mais en gros, bah, c'est moi qui l'ai monopolisé. Ma mère est en était sûre. Et ma soeur, elle a déjà 3000 sacs, moi je n'en ai pas. Donc autant que je le prenne. Donc là j'aime beaucoup le gros sac Longchamp. Il y a oh là, donc le sac, donc ma mère l'a fait en gris gris foncé comme ça, et puis marron forcément. Et donc voilà, il y a des plutôt grandes anses je trouve. Et donc quand on les déplie, ça donne les sacs Longchamp que vous connaissez. Alors je sais pas s'il est petit le mot, mais j'ai l'impression qu'il est plus petit que les sacs normaux. Ouais, je sais. Voilà, bref, un petit sac Longchamp, donc ça fait vraiment plaisir. Et je m'attendais vraiment pas à l'avoir en fait. Parce que ma mère l'a gardé pour elle, et puis finalement elle fait bah non, tiens. Donc bon, tant mieux. Maintenant, on va passer à tout ce qui est équitation. Donc j'ai eu deux trucs en rapport avec l'équitation. Donc j'ai eu le manteau de mon club. Voilà, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer en entier. En gros, dans le dos, il y a le blason de mon écurie. Donc, école d'équitation de Bédé-Lannoy. Voilà, pour ceux qui se demandaient où j'avais cours. Donc, c'est de la marque HKM Sport Equipement. Donc, j'ai gardé l'étiquette pour vous spécialement. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a en gros de la polaire. Vous n'allez rien voir du tout, je suis vraiment désolée. Et du nid d'abeille. Je crois que c'est un peu de nid d'abeille comme ça. Et genre, ça, c'est transpirant. Enfin, ça empêche la transpiration, ça fait passer la transpiration je crois, bref on s'en fout. Puis il y a une capuche qui s'enlève, parce que vous savez quand c'est assaut les capuches c'est interdit. Voilà, que dire, il y a des poches un peu partout. Donc il y a deux poches là qui sont fermées, donc c'est ça pour le portable, c'est plutôt pas mal. Et il y a une poche ici là. Bon voilà, c'est un super manteau et je suis trop contente. Là je les prends en rouge, donc il pète et en plus, enfin, genre j'aime trop, il est bien chaud. Et je sais pas. Au moins je suis assortie aux écuries, enfin à mon club quoi. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Dernier cadeau que j'ai eu, donc
Je viens juste de le recevoir, donc il est encore dans son truc. Je l'ai même pas déballé. Rien du tout. En gros, pour vous le dire tout de suite, c'est une Cambox Isis 2. Enfin, Isis 2 du coup. Voilà, je vous spoil totalement. Je pense que j'aurai besoin de ciseaux, mais j'en ai pas pris. Mes parents n'ont pas tout payé. J'ai payé 150 euros sur les 250, enfin 246 de la Cambox. C'était prévu, j'ai eu beaucoup d'argent à Noël et du coup c'était pour payer ça. Il me reste plus grand chose de tout l'argent que j'ai eu du coup. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, ça vaut le coup. Puis ouais. J'ai juste fait pause, le temps d'aller chercher les petits ciseaux. Plus petit tapas. Alors. J'ai peur de faire des conneries en fait. Imaginez, je coupe le scotch et la Cambox n'est même pas dedans. Pour me faire rembourser. Comment on ouvre? J'arrive pas à ouvrir. Et voilà mon bébé. Quand on ouvre, ça dit papier bulle. Ouh. Alors, t'as reçu ton colis à quel? Ma maman, elle est arrivée pour regarder ce que je suis en train de faire et pour voir aussi la Cambox. Donc, voilà mon bijou. Je suis trop contente. On dirait vraiment une gamine qui ouvre. Faut que je me calme. Donc, du papier bulle, ça dégage. Voilà le site Vitality. Donc en fait c'est un site où il y a des trucs pour chats, pour chiens, pour oiseaux, pour chevaux au final du coup. Et voilà, et c'est vraiment bien parce que c'est moins cher que sur les sites de base en fait. Une caméra embarquée Isis 8 gigos. 8 gigos quand même. Un petit gigot d'agneau, non 8 gigos. Je suis trop contente par contre, regarde. Ça glisse un peu trop pour moi. Waouh. Par contre je la trouve un peu dégueulasse. Je sais pas vous, mais elle est un peu crade, non? Regardez. On voit que c'est fait avec une imprimante 3D. C'est trop drôle. De toute façon, c'est même pas ça. J'ai beaucoup trop peur de la casser. Ok. Ok. Ok, ok. Je suis en train de faire des conneries. Ah, ok. Ah, fallait dire avant. Ça c'est juste un cordon, en gros il y a un cordon dedans pour relier à l'ordinateur. La Cambox qui est, je ne l'ai pas décroché de là pour l'instant. Là il y a la petite notice. Il y a un adaptateur de carte SD. En vrac, j'adore, c'est génial. Le nettoyant pour le petit, la petite caméra. Un scratch pour, voilà, j'enlève ça et je colle sur ma bombe. Et je suis trop pressée. Aïe. Ah, yeah. Je suis en total kiff les gens là. Là, faut me laisser dans mon truc là. J'adore. Je valide. C'est trop bien. Oh là là. Ah ok, je voulais montrer à l'envers depuis tout à l'heure. J'adore. Donc, en gros, là, c'est écrit. Le seul petit bémol, je pense que c'est. Là, c'est écrit le site de Vitality au lieu d'écrire le message que vous voulez. Et bon, voilà. Oh, je suis trop contente. J'aime beaucoup. Je valide. J'aurais bien voulu vous montrer tout de suite sur la bombe, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous donner mon ressenti de la Cambox en gros. Et j'ai peur de la casser quand je fais ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, le petit unboxing, les petits cadeaux, tout ça. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Passez une bonne fête, bisous. J'arrive pas à être en...